de carnaval sur le visage, un long manteau. Et l'autre homme, le troisième, il a regardé, il a tiré deux fois là-bas. De 1982 à 1985, la bande dite des tueurs du Brabant sème la terreur. D'importantes recherches ont été effectuées sans succès. Les truands s'échappent à la manière d'un véritable commando. On a parlé de la CIA qui aurait voulu secouer la Belgique, ventre mou de l'OTAN. On a parlé de tentatives de déstabilisation de l'État par l'extrême droite. On a parlé de tant de choses comme pour brouiller tout à loisir. Vous avez la preuve qu'on n'a pas voulu aboutir ? Oui. Rappelez-moi, c'est urgent. Je suis au centre commercial de... Faire vérifier ça.
Qu'est-ce que je vous avais dit? Faut attendre les résultats du labo. Si je peux me permettre, pour une fois, on nous a entendu. Attention, ça dit ça. Alors? Tout correspond. La taille du crâne, la dentition et l'état de décomposition du corps laissent supposer qu'il est là depuis 30 ans. Les indications du corbeau étaient parfaites. Calibre 12, type Brennec. Le type de munition utilisé par les tueurs fous. Une signature en quelque sorte. Sans doute tiré par un fusil à pompe, une balle dans la tête et deux autres dans le thorax. J'ai ton feu vert pour lancer la perquisition chez le ministre Van Bolen. Tu es certaine que nous avons toutes les preuves? Il est cuit avec ce que nous a balancé le corbeau. Et vous avez pu l'identifier, je suppose? Pas encore, mais on y travaille, monsieur le procureur. Alors? Nous sommes en direct devant le domicile de l'ancien ministre Guy Van Bolen, qui, comme vous le voyez, est arrêté par la juge Véronique Pirotte. L'ex-ministre est inculpé dans le cadre de l'enquête sur les tueurs fous, des crimes qui, je le rappelle, ont ensanglanté notre pays au début des années 80. Ça s'est bien passé? Ouais, j'ai tout. Et rendez-vous quand avec le gars pour le reste? Ce soir, si tout va bien. Pas mal. C'est le top. T'as les chargeurs? Ouais, j'ai tout. Le dernier tueur Astral. Elle est seule. Je repars pas en cavale, Franck. C'est fini.
Fais-moi confiance. Quoi, la bouteille? Tu l'as touché avant de mettre tes gants. Change de gants, ton ADN est dessus. Bientôt, faudra s'habiller comme des cosmonautes pour braquer. Dans 2 minutes. Terminé. On se rapproche. Tenez-vous prêts. Périmètre sécurisé. Impact dans 50 mètres. Activé.
reste calme, c'est bientôt fini. Merde, qu'est-ce qu'il faut, ce con? Moi, je pars pas d'ici sans mon fric. On reste calme. Allez-y. Merci. C'est bon, vas-y. Sors, avance. Tout droit. Allez, vite. Allez, avance. Vas-y. Mets ton droit. Rappelez-moi, c'est urgent. Je suis au centre commercial de...
Attention, attention à toutes les équipes au sol. Fumée en vue au sud de Bruxelles. Nous nous dirigeons sur zone. Over. Soldats de la vieille Légion, demain brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah putain, ça va me manquer. Non, moi aussi. Hélène te suivra pas. On verra. Si tu changes d'avis. Non, c'est décidé, j'arrête. Avec tout ce pognon, je vais pouvoir voir venir. Moi, je vais faire chier sans toi. Attends qu'elle vienne me voir. Tiens. Pas vas-y, ça. Vas-y. Non, pas ça, Santo, non. Vas-y. Elle vous protégera tous les trois. Tu fais chier. Merci. D'où ils sortent ceux-là? Ces bâtards. Bien joué. Vous êtes cerné, vous n'avez aucune chance.
Vas-y! Santor est mort. Les flics nous attendaient, on a été balancés. Comment ça, on a été balancés? Quoi? Toi, tu vas me faire le plaisir d'aller chercher ce fils de pute de convoyeur qui t'a donné l'affaire. Non, c'est pas possible, je te dis maintenant. Santor est mort, bordel, tu comprends ça? Écoute, c'est pas possible maintenant, les flics sont là. Il faut attendre quelque chose. C'est toi qui nous a rencardé ce type. Tu te démerdes pour aller me le chercher, t'as compris? Les flics ne sont pas tombés dessus par hasard, j'aime pas ça. Il pue cette affaire. Je suis comme toi, Franck. Moi, je te jure que je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je te jure. J'ai la triste responsabilité de vous annoncer le décès de 8 personnes, dont l'une de nos consoeurs estimée de tous, la juge Véronique Pirot, lâchement assassinée par des criminels qui ont agi comme de véritables prédateurs. L'un d'eux a été abattu par les forces de l'ordre, il s'agit de Santo Messina, bien connu de nos services. Des mesures de police exceptionnelles sont mises en œuvre pour neutraliser cette bande de terroristes. Bonne journée. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. On se pose quand même beaucoup de questions sur Frank Valken qui s'est échappé de prison il y a quelques semaines. Il était justement très proche de Santo Messina, alors est-ce qu'il est considéré comme suspect? Pas de commentaire. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Monsieur le procureur! Bonjour. Tu pourrais faire un peu moins de bruit, s'il te plaît. Il y a bien de sucre. Et tout le sucre est dans le fond. Tu sais que c'est pour ça qu'on propose des touillettes. Ah oui, parce que tu vois, en touillant, ton sucre, il est mieux réparti. Et comme ça, t'es pas obligé d'aspirer le fond du gobelet. Et puis moi, comme ça, je suis pas obligé d'écouter ce bruit. C'est tellement plus élégant. Tu crois? Ouais. Comment tu te sens? Comme une merde. On a perdu Valken.
Et à mon avis, il est déjà loin. Non. Ça, c'est ce qu'il veut nous faire croire. Je sais comment le retrouver. Fais-moi confiance. Nous vous rappelons cette information. Frank Valken, figure marquante du grand banditisme qui s'est évadé de prison il y a quelques semaines, serait l'un des responsables de la terrible fusillade qui a eu lieu hier soir. C'est quoi ce délire? Putain, mais c'est pas nous. Les auteurs veulent faire quoi? Ont fait preuve d'une froide conférence de presse. Une fusillade. C'est pas le moment, Vic. Dont la juge Véronique Pirotte, je vous rappelle qu'elle enquêtait sur le dossier dit des tueurs fous, des tueurs qui semblent donc de retour 30 ans plus tard. Quand un journaliste donne ses infos à un flic? Donner? Je dirais plutôt partager. Semblait assez proche de la juge Pirotte. J'ai épluché son portable. Avec qui est-ce que Véronique avait rendez-vous sur ce parking? Elle vous a dit qu'elle avait rendez-vous? Vous pensez vraiment qu'elle était là par hasard? Je sais pas. Elle attendait quelqu'un, c'est évident. Quelqu'un qui s'est fait passer pour le corbeau. Son informateur lui avait donné rendez-vous sur ce parking. Vous avez pu l'identifier? Non, pas encore. Je change constamment de portable et de carte SIM. Vous savez ce que c'est un cadavre exquis, commissaire? Quoi? Pensez que sa mort est une mise en scène, c'est ça? Vous en doutez? Disparaître un moment. Je ne laisserai pas coller ça sur le dos.
Les jambes. Tu me fatigues, Valken. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, moi. On reprend ? Alors. Bon. Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi t'as fait ça ? J'ai rien à voir avec ça. T'as rien à voir avec ça ? Tu sais pas. T'as aucune idée, c'est ça? Fais ton boulot. Ici, c'est moi qui parle et je te demande pourquoi t'as fait ça. C'est pas toi? Oh, d'accord, c'est pas toi. Alors lequel de ta bande a tiré sur ces gens, hein? On n'a rien à voir avec ça. Me fais pas perdre mon temps, Valkelen. Dis-moi qui a tiré sur ces gens, qui a buté ce môme? Jamais j'aurais fait ça. C'est toi, Valken. C'est toi et personne d'autre qui était sur ce parking juste après avoir braqué la banque. Toi et personne d'autre. Non, c'est pas moi. Assume. Mais c'est pas moi que je te dis, merde! Me prends pas pour du je suis pas un tueur, merde! T'es pas un tueur? Mais c'est marrant, ça. C'est pas du tout ce que dit la balistique. Les premières analyses sont formelles. C'est ton arme qui a tué la juge. Comment t'expliques ça? Enfoiré! Enfoiré! C'est bien de se retrouver un peu, rien que tous les deux, en tête à tête. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé, hein. C'est toi, connard, qui a falsifié le rapport balistique. Je suis flic, mon Valken. C'est toi le truand. Tu t'es foutu dans la mer tout seul. Ça fait longtemps que je te cours après, hein. Longtemps. Ça m'a un peu énervé de ne pas pouvoir te choper plus vite, c'est vrai, j'avoue. Mais là, maintenant, je te tiens. Et tu vas prendre cher. Hein? 30 ans. Tu ne sortiras plus, Valken. Et pour ta famille, c'est terrible. T'imagines un peu tous les beaux petits événements de la vie que tu vas rater parce que t'es pas là. Mais moi, je serai là. Je te promets, moi, je serai là. Tu vas assurer ou tu pourras pas assurer. Par exemple, moi je serai là à la communion de ta petite. Et puis après, je serai là à son mariage aussi. Et puis je serai là aussi à l'enterrement de ta femme. Déshabillez-vous.
Je vous écoute. Ils sont après moi. Qui ? C'était vous son informateur ? C'est vous qui l'avez envoyé se faire tuer sur ce parking ? Non. Quelqu'un essaie de faire croire que c'est moi, mais non. Vous savez qui c'est ? Les tueurs, vous connaissez leur nom ? Va falloir allonger 100 000 si tu veux le scoop de ta vie. Il était aussi question de fric avec Véronique. On était en négociation. C'est beaucoup d'argent, 100 000. C'est moi qui ai enterré le cadavre retrouvé dans le bois de la Haussière. Sur ordre du ministre Van Bolen. Tiens, ça devrait convaincre tes patrons de trouver l'oseille. Je te donne déjà un indice. C'est moi le géant sur la photo. Vous avez été balancier, monsieur le ministre. Arrêtez de nier. Nous avons toutes les preuves. Collaborez ou vous finirez votre vie en prison. C'est clair ? Allô ? Ok. Allez. Alors, il a craqué ? On avance. On avance ? Ça veut dire quoi ça, on avance ? Il a craqué, il a pas craqué ? Ça veut dire qu'on avance. Eh ben moi, il me faut un rapport ce soir avant 20h, ok ? On va essayer. Non, on va pas essayer. Je veux un rapport ce soir avant 20h. On va essayer. Je veux un rapport ce soir avant 20h. C'est quand même clair, non ? On va essayer. C'est cela. Je joue pas de mes couilles, ok ? Au fait, il y a un truc qui cloche dans l'affaire Valken. À t'arracher. T'as un plan ? Oui, que je fasse rentrer un bigot, mais c'est chaud là, ils vont me faire paranoïa en ce moment. Mais t'inquiète, je vais trouver un moyen. T'as un maton en poche ? Non, je vais m'arranger. Est-ce que je peux faire rentrer un flingue ? Compliqué. Comment on fait alors ? Dada, comment tu fais ? Il me reste qu'un an à tirer, moi. Je rends service à Vic, c'est tout, t'as vu ?
pourquoi tu veux pas voir tes avocats, je comprends pas. Parce que ça sert à rien. Comment ça, ça sert à rien? Ils peuvent rien pour moi. Je suis pas d'accord, explique-moi. Je veux pas que tu laisses tomber, je veux que tu te battes. Hélène, reste loin de tout ça. Ne viens plus. Écoute-moi. Je rentre en cellule. Ouais, c'est moi. Salut Dédé. Arrête. Dany, je peux t'expliquer. C'est trop tard, Dédé. C'est trop tard. Non. De voir mes amis partir comme ça, petit à petit, les uns après les autres, non. Ça me rend triste. De la part de vos amis. Merci.
Prends pas. Il m'a contacté il y a 3 jours. C'était le chauffeur du ministre Van Bollen, un certain Dédé. Il est mort comment, ce Dédé ? On l'a retrouvé pendu à son radiateur. Il s'est suicidé ? Ils n'ont pas fait d'autopsie, le corps a disparu. Comment ça a disparu ? On a donné l'ordre de procéder à une incinération sans faire d'autopsie. Qui a donné cet ordre ? Le commissaire Bouvier. C'est normal que le patron de la PJ s'occupe d'un simple suicide. Plus de juges pour enquêter. Plus d'informateurs pour dénoncer. Faut bien admettre que quelqu'un agit à merveille pour brouiller les pistes, non ? Je les connais, tes putains de thèses conspirationnistes. Je veux des preuves. J'ai reçu ces photos de Dédé. Si j'en crois ses confidences, il faisait partie de la bande des tueurs fous en 1985. Continue. On a affaire à des gens infiltrés dans toutes les sphères de l'État. Ils ont le pouvoir, ils font tout pour le conserver. La terreur, c'est un moyen radical pour manipuler les médias et faire voter des voix de plus en plus répressives. Aidez-moi. J'ai besoin de vous pour coincer Bouvier, vous êtes la seule à avoir accès au dossier. Le commissaire Bouvier m'a demandé de lui transmettre le dossier. Tu transmets rien à personne, sans mon accord. Compris ? Rentre chez toi, j'ai besoin d'être seule. Bonsoir, je vais voir Monsieur Le Mal. Je vous écoute. La photo date de 85. Ce sont 3 des membres de la bande des tueurs fous. Regardez celui-là, à côté du géant, et observez surtout son tatouage. C'est celui de Bouvier, j'en suis sûre, c'est exactement le même. Monsieur le procureur, j'ai la certitude que Bouvier faisait partie des tueurs fous. Nous pouvons l'accuser d'un fait aussi grave avec si peu d'éléments. C'est peut-être un montage. Bouvier a produit un faux dans l'enquête sur le suicide de l'ancien chauffeur du ministre. Quoi ? Le fameux corbeau qui a dénoncé Van Bollen à la juge Pierrotte. Un dénommé André Bouchard, dit Dédé.
était le chauffeur du ministre. J'ai la certitude que Dédé faisait partie de la bande des tueurs fous. Et que Bouvier est impliqué dans l'assassinat de la juge Burette. Vous vous rendez compte? Écoutez, vous allez mener cette enquête avec la plus grande discrétion. Vous ne référez qu'à moi seul. Rien ne doit filtrer de cette affaire. Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Soyez prudent. Bonne soirée. Ouvre la porte! J'ai pas la clé! Reste là! Ouvre la grille! Viens ici! Ils n'oseront pas tirer. Le mégaphone.
Bouge-moi, bouge-moi. Avance. Le parapluie. Là, prends-le. Ouvre. Vas-y. Bouge-moi. Attends, attends. Allez. Ouvre. Ouvre. Je laisserai pas de ces connards sortir de là vivant, c'est clair. Y a une femme qui se sent pas bien, Bouvy, tu veux prendre sa place? Faut appeler le procureur. Non! Alors, Bouvy, t'attends quoi? Qu'il te pousse une couille? On n'a pas le temps, ok? Tu me fiches, putain. Quand Tesla, tu fais quoi là? Hé, hey, tu fais quoi là? Tesla! Maintenant, on va voir ce qu'il vaut, ton ministre. À tous, on les laisse partir. Quand on ne tire pas. Je répète, on ne tire pas, on les laisse partir. Un sale type, hein. Accélère. On a un relais dans le tunnel. Toi,
Calme-toi, calme-toi, on arrive. Je suis qu'une merde, Franck. Bouvier. Arrête de dire des conneries, on va te sortir de là. Bouvier. Je sais que c'est pas toi qui as tué la juge, ni tous ces gens sur le parking. Moi aussi, je veux la tête de Bouvier. Mais on va le faire à ma façon. Ce sera ton entendement. C'est pas toi que je veux. Je pouvais pas savoir. C'est cet enfoiré de Bouvier qui tire les ficelles depuis le début. Je comprends pas. Quand Van Bollen s'est fait balancer par le corbeau, il a organisé l'assassinat de la juge. En t'utilisant. Tu crois vraiment que Bouvier a tué le ministre par accident? Bouvier m'a pas tiré dessus par hasard. Et alors, où tu veux en venir? On est dans le même camp, Valken. Non, attends-moi ici. Tu m'as déçu, Tesla, maman. Je t'ai prévenu de ne pas jouer avec mes couilles. Tu vas me foutre. Tu sais quoi? Tu vas finir comme cette petite fouille mère de juge. Tu feras passer ça pour un accident, hein? Comme pour le ministre et les autres. Ouais, je suis assez fier de moi sur ce coup-là. Tu me dégoûtes.
Tu t'es foutu dans la mer toute seule, Tesla. Tu croyais vraiment que le procureur allait t'aider? Va te faire foutre, Bouvier. Et Valken, hein? Il est où, Valken? Elle est seule. Vous l'avez perdue. De toute façon, c'est elle qui nous intéresse. Et puis Valken, avec tout ce qu'il a sur le dos, il peut raconter ce qu'il veut, personne ne croira. Tu vois ce que c'est, ça? Ça, c'est un petit traceur GPS. Avec Vic, on avait piégé toutes les armes fournies à la bande. C'est comme ça qu'on suit Valken à la trace depuis le début. Un bon petit indic, ce Vic. Dommage que j'ai dû m'en débarrasser. Comment avez-vous pu, hein? Comment avez-vous pu les laisser tuer tous ces innocents? Vous n'avez aucune idée de l'ampleur du problème, mademoiselle Tesla. Le mal est parfois nécessaire pour gagner. Vous êtes vraiment de grands malades. Bouvy, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui. Va chercher la voiture. Ne touche pas! Ne touche pas! Avance! Ouvre le coffre. Déconne pas, Bouvier. Ouvre le coffre. De Tesla. Tout y est. Vous comprendrez.
j'en profiterai même pas. Ils obliquent ma vie, j'en ai qu'une, j'vis comme dans Koh-Lanta. Cette vie de rêve, ça va, un gosse, une meuf, une Chevrolet, trop charbonné, une ville, un vélo de ville, trop sous contrat. Se lever à 6 du mat, ensuite déposer le fiston qui lui, quand il grandira, profitera de tous mes pistons. Routine hebdomadaire, donc obligé de prendre des congés. Une vie tellement robotisée que j'ai déjà dans quoi dépenser. Les crédits immobiliers, Minerval, l'université, collier de perles, des Champs-Élysées pour nos 10 ans de mariage soudain, nanana. J'peux pas de ça perdre des sous pour des paires de seins. Père un mari, boss d'une PME, toucher 6200. Pour certains, c'est le paradis. Moi, j'veux pas refaire des vies. J'veux vivre un truc inédit, genre 50 Jay-Z, P. Diddy. J'suis fatigué de leur vision de la réalité. 25 ans dans l'humanité sans aucune humanité. Et je pense que si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, j'passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime et innocente, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, on débrouille des gyros par caméra de surveillance. Moi qui me fais la surveillance. La mort est ma raison de vivre. Mon vécu est ivre mort. Rêvasse sur son sort. Toujours à penser qu'il sera libre. Mais la vraie prison se trouve dehors. Proche des coffres forts. Mon âme sort dans un kilo de shit. Quand la vie te baisse, y'a pas de pilule. On a des yeux prêts à cellule. Ce rap de merde n'a plus de vivre. Mais je suis là, je te niquer les mères. A force, j'sais plus quoi faire. Ça, je n'ai qu'à tendre de varicelle. Donc j'ai d'amour que sur ses lèvres. Vrai négro vivra ses rêves. Et cela forever, rêve. T'étais là, mais j't'ai pas vu. Un peu comme ta carrière. On manque demain plus ce qu'hier. Les traites sont pas que négrières. Ils promettent le paradis avec une peine en main. J'te dis, j't'aime aujourd'hui pour une histoire sans lendemain. On est ce qu'on a parce qu'on a eu. Donc j'donne le mien pour prendre le tien. Si j'prends les vôtres, c'est pour les miens. Et je pense. Si la vie ne me donne pas tout ce que je lui demande, je passerai par la violence. Qu'importe les crimes, en victime et innocente, dans la vie chacun sa chance. Dans l'oubli, on débrouille des gyros par caméra de surveillance. Moi qui me fais la surveillance. Tiens, tiens, tiens. Ba 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 bang bang. Tiens, tiens, tiens. Ba 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 bang bang. Tiens, tiens, tiens. Ba 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 bang bang. Tiens, tiens, tiens. Ba 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 bang bang.